Я не знаю, что я пришел, что я пришел. Сынты не мали, пачем не стына нас. Так мы вим выпало. Mereu și mai greu, dacă nu pleacă, mor oamenii aici de foame. N-au ce face, săraci. La Roumanie est vraiment frappée par la migration et je dirais dans tous les milieux sociaux. Donc il y a les universitaires qui partent, mais il y a aussi les ouvriers qui partent et puis il y a aussi les petits paysans qui partent. Maintenant la Roumanie est un pays traditionnellement agricole et donc il y a encore énormément de petits paysans qui vivent en semi-subsistance finalement, mais qui n'arrivent plus à en vivre réellement, même s'ils souhaitent rester dans leur pays. On suit l'enjeu d'Andrei, de ce garçon, entre autres, de sa mère aussi. Et c'est vrai que lui, petit à petit, il va être confronté à cette question de la migration parce que sa mère, elle finira par partir aussi pour lui permettre à lui et à elle une vie décente au village. Da, păi ce să fac, tanti, mă rog, că trebuie să mă duc. Nu poți face nimic cu banii ăștia de aici. Nu poți face, dacă nu te bagi în bancă sau așa, nu. Trebuie multe. Le premier film qui s'appelle Stam, nous restons là. On l'a tourné aussi dans ce village-là. Donc voilà, on a gardé contact avec les gens, on est retourné de temps en temps. Le village se vidait de plus en plus. Pour des périodes courtes, mais se vide quand même d'une certaine façon, et où les gens n'ont plus le choix de partir à l'étranger pour travailler, gagner de l'argent, parce que l'agriculture, la petite agriculture locale, la paysannerie n'est plus rentable et personne ne s'en sort. Et donc dans chaque famille, il y a quelqu'un qui part régulièrement, 2 mois, 3 mois, qui revient. Et on s'est rendu compte que ça avait beaucoup de conséquences sur la vie sociale, économique du village, et puis aussi beaucoup sur la vie des familles, sur les relations entre les gens, entre les couples, où il y en a un qui part et l'autre qui reste tout seul à gérer la maisonnée, la ferme, les champs, les enfants, parfois aussi des enfants qui restent seuls. Et donc c'est tout ce constat un peu triste qui nous a donné envie de faire le film. Au départ, on voulait concentrer le film autour d'Andrei et puis au fil des mois, on a ouvert à d'autres personnages, à des adultes. Donc on a les jeunes, les adultes, hommes et femmes. Et finalement, on avait bien en tête les enjeux qui nous intéressaient. L'une ou l'autre situation aussi, parce qu'on l'a vécu, parce qu'on sait que ça se passe, les départs par exemple, les retours. Ah, pas tous ont votat acum, cred că prin Germania, peste tot și nu mai le place la voi. Că o să vin și tu, măi, Nicule, ui? Te duci tu în Germania, vreo 2 ani și... Îl dau la inima când am văzut eu. Deja când am zis de germani, deja... Cum să mă duc în Germania? Faci 1.500 de euro. Eu fac banii aici. On peut s'imaginer en Allemagne ou en Autriche, c'est pas toujours évident pour eux, certainement pas. Et d'ailleurs, souvent, ils savent même pas où ils vont. Donc ils vont en Allemagne, ils connaissent pas la ville la plus proche, par exemple. Ils savent pas s'ils sont au nord ou au sud. Voilà, ils y vont pour travailler et pour revenir avec de l'argent pour continuer... leur vie au village. C'est mieux ailleurs parce qu'on peut y gagner de l'argent, mais le désir profond, c'est de rester là. Et une fois qu'ils sont dans le circuit de ces allers-retours, ils n'ont plus le choix de continuer à partir parce que l'argent arrive et cet argent est nécessaire. Le standing social change un peu, ils ont envie d'un peu plus de confort, même s'il reste très limité, mais voilà, ils ont envie d'une salle de bain, de l'eau courante, de carreler leur cuisine, etc. Et donc c'est un cercle sans fin d'aller-retour dont ils
ne peuvent plus y échapper quelque part. Et ce qui est très tragique, c'est qu'ils partent pour améliorer leur vie dans le village. Ils se projettent dans une vie en tant que paysans d'ici 5 ans, 10 ans. Et finalement, c'est en partant que ce rêve-là s'éloigne. Parce que les gens qui restent dans le village, enfin, les familles commencent à vendre le bétail. Et voilà, on sent vraiment qu'on est dans une phase de transition et qu'on assiste un peu à l'existence des derniers bergers de Transylvanie. Și școală și oi. Apoi ori te duci la școală, ori te duci la oi. Tu nu ești de oi, că tu ești copil, tu îți vezi de treaba ta, că tu nu ești de oi. Dacă n-am avut noi posibilitate, măcar tu să ai ce străbe. Dacă nu plouă, e rău de nu plouă, că nu te verde deloc. Ce oi multe. Les filles-là ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.